Yo yo yo, salut les gars, on est de retour pour un nouvel épisode du Dissident Show. On a quitté la capitale pour se retrouver dans une autre ville de France. On est dans la région des Hauts-de-France, plus précisément à Lille, pour aller voir un poteau de la famille Dissidence qui fait vraiment kiffer. C'est monsieur Martin André qui est là, présent avec nous, à côté de moi. Salut Martin. Salut JD. Ça va quoi? Ça va et toi? Bah merci de nous recevoir, ça fait kiffer d'être là. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui te connaissent pas, hein, pour ces hommes de Cro-Magnon qui te connaissent pas trop? Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Pas de souci. Bah moi du coup c'est Martin André. Je suis un rider lyonnais de base, ça fait, si mes calculs sont bons, pas loin de 12 ans que je fais de la trottinette. Donc j'ai passé des années depuis ma naissance en fait à Lyon et j'ai déménagé ici à Lille. Il y a quelques années, quoi, 2 ou 3 ans. Et puis bah voilà, je roule pour Way Scootering. On va en parler un petit peu plus tard, c'est un peu le sujet de la discussion ici. Je vous remercie de me donner l'opportunité de parler ici dans le Dissident Show. Bah, merci à toi de nous recevoir ici, hein, dans ta nouvelle ville d'adoption. Ça fait kiffer. Et bah, moi aussi, ça fait kiffer. Hein. Tu me voles ma phrase, là. Ça fait kiffer. Et sans plus attendre, on va se retrouver. À côté, là, sur le banc, tu vas pouvoir nous parler un peu plus en détail de ce nouveau deck de chez Wise, ce deck pro modèle Martin André qui vient de sortir. Et donc voilà, ça va être tout de suite. Bon, bah voilà, les gars, on s'est calé pour rentrer un petit peu plus en détail sur ce deck signature qui est sorti il y a plus d'un an déjà, dans une première version et qui est sorti dans une nouvelle version plus large il y a quelques semaines. Je peux rouler depuis peu de temps et qui est vraiment incroyable en termes de feeling. Je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement parce que dans un premier temps on a des deck ends à l'arrière. C'est un système que j'avais pu tester avant ce deck là sur le deck proto et que j'avais trouvé vraiment hyper agréable en termes de feeling. Je trouve que c'est un parfait entre deux, entre un deck carré complètement et un deck triangle avec des pegs. Ça c'est vraiment agréable. Deuxième petite spec qui est très très cool, c'est d'avoir un angle bien en avant. Là on a un angle en 84 degrés. Ce qui est pas mal en avant par rapport à la plupart des autres decks sur le marché. Ça nous permet d'avoir un petit peu plus de stabilité en manual. Et puis simplement en termes de feeling, on a le guidon qui est un petit peu plus loin. Moi en plus j'ai un grand guidon. Donc c'est vraiment hyper agréable d'avoir un angle en avant. Il faut s'y habituer, mais une fois qu'on s'y est fait, c'est hyper agréable. On a deux tailles en termes de longueur. On a 56 de long et 59. Maintenant en largeur, on a aussi deux tailles parce qu'il reste des decks de la première version. Donc en largeur, on avait la première version en 5 de large. Et maintenant cette nouvelle version qui est en 5-7 de large. En centimètres, ça fait 145 cm. C'est hyper agréable en termes de feeling, c'est le jour et la nuit quoi, pour moi. Et je suis vraiment très content de cette nouvelle version qui est sortie. Je tiens à remercier Wise Scootering pour m'avoir donné cette opportunité-là. Et puis les potes Cuve qui ont bossé sur le design du deck et Jules qui a bossé sur les illustrations en dessous. Voilà, on arrive à un deck qui pour moi est le deck le plus cool que j'ai jamais roulé, qui colle parfaitement à ce que je voulais. Donc voilà, et puis maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la voiture parce que là on est à Lille mais le sol il est mouillé. Et du coup on va aller en Belgique pour rouler un petit parc et puis vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec ce deck quoi. Les gars, on en a terminé avec ce skatepark. On va un peu quitter la Belgique, on va revenir à Lille parce qu'il fait un petit peu frisqué. J'ai dû mettre un petit gilet là. Et on va vous faire la conclusion chez ce bon vieux Martouz. Et voilà les gars, on a quitté la Belgique pour revenir ici à Lille dans le Nord-Pas-de-Calais.
et en direct de l'appartement de ce bon vieux Martouze. Hein. Merci de nous accueillir ici chez toi. Le canapé est plutôt confortable. Et bah, ça me fait plaisir de vous recevoir. Bah, nous, ça nous a fait plaisir vraiment de t'avoir eu sur le show. Et dis-moi, est-ce qu'on peut te retrouver sur tes réseaux Instagram et tout? Et bah, vous pouvez me retrouver sur Insta au @Martouze avec deux Z. MARTOU2Z et aussi sur YouTube, sur la chaîne Wise où il y a plein de vidéos. Et ben d'ailleurs sur la chaîne Wise, allez checker un petit peu là, sa vidéo, la vidéo qu'il a sortie justement pour ce pro modèle. Vous allez être, enfin c'est full banger, j'ai rafiffé ta vidéo. Bah merci donc, beaucoup. Ouais, bah, nous ça nous fait kiffer. Et bien évidemment, sur Dissidence, 149€ le deck, il vous suffit d'aller sur notre site internet dissidentscootershop.com, vous allez dans la rubrique produits, deck, et puis vous cherchez ce petit bijou, là 149€ chez nous. Et donc voilà, et c'est ainsi qu'on va finir cette vidéo. N'hésitez pas à aller donc follow ce bon vieux Martouze. N'hésitez pas à vous inscrire, à aller suivre la chaîne YouTube de Dissidence, donc cette chaîne, hein, Dissidence Scooter Shop, mais aussi sur nos réseaux, @Dissidence Scooter Shop. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.